tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, ça va. On se retrouve pour une vidéo. Oui. Alors, je voulais attendre le mois de décembre, mais j'ai pas pu. C'est plus fort que moi. Alors, comme vous avez vu dans le titre, on va faire le calendrier de l'Avent de chez L'Oréal. Alors, comment vous dire? Alors pour moi, selon moi, je trouve que c'est le plus intéressant. J'ai un peu checké tous les calendriers de l'avant. Makeup Revolution, je trouve que c'est similaire à l'année dernière. J'ai hésité avec Blissime, mais j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait dedans et non, ça, pas tout me convient. Et je trouve que c'est le The Calendrier de l'Avent Beauté 2022. Il est là. Regardez comme il est beau. Oh. Franchement, je voulais pas l'ouvrir. Mais c'est plus fort que moi. Bon, bref, en fait, je suis pas patiente. Alors, pas du tout. Je suis très faible. Mais bon. C'est fait maintenant et puis voilà, je lis, il est à moi et j'ai envie de l'ouvrir pour faire découvrir ce qu'il y a dedans. Alors je sais à peu près ce qu'il y a dedans pour être honnête, mais ça fait un mois à peu près que je l'ai acheté sur le site L'Oréal Paris. Honnêtement, ben, je suis faible quoi, je suis faible. Alors, avant d'ouvrir le calendrier, je vais vous donner un code promo. Non pas parce qu'on me l'a donné, hein, parce que je suis allée sur le site L'Oréal Paris. Je vous posais ça et après, on va l'ouvrir. Je suis allée sur le site L'Oréal Paris. J'ai vu un code promo qui s'appelle Welcome. Donc, c'est un code promo de bienvenue. Il y a 5 euros en moins des 25 euros d'achat. Donc, c'est toujours intéressant. En sachant que le calendrier de l'Avent, il est à 89,99 €. Donc certes, c'est un coût, c'est un petit budget. Mais honnêtement, c'est le seul calendrier de l'Avent de cette année que je trouve le plus intéressant. Niveau prix, quantité. Quantité, c'est 24, hein, mais... quantité, niveau des formats, c'est des formats vente en plus. Donc s'il y a un produit qui vous plaît... vous pouvez le retrouver également en vente. Donc ça, c'est intéressant également. Puis après, il y avait à la fin du paiement, choisir ses échantillons. Donc j'en avais deux offerts. J'ai choisi le sérum anti-ride. Donc celui-ci en échantillon. Voilà. Donc c'est toujours, toujours sympa d'avoir des échantillons et en plus de les choisir. Puis après, vu que je suis blonde, je suis souvent... enfin, je suis blonde d'origine, hein, mais blonde foncée. Je fais souvent des mèches. D'ailleurs, là, je vais aller chez le coiffeur parce que ça peut pas. Ça peut pas. Oh, là, j'en peux plus de mes cheveux. Hein. Je n'en peux plus. Puis après, j'ai pris le shampoing violet, donc qui est pas mal. Je l'ai testé en grand format, celui-là. C'est pour neutraliser les effets, les reliefs jaunes. Voilà, parce que j'ai horreur d'avoir des reliefs jaunes. J'ai pris cet échantillon-là également. Voilà. Et c'est plutôt sympa. Voilà, c'est plutôt sympa. Et voilà, on va commencer l'ouverture du calendrier. Donc, je vais vous montrer. Déjà, il se présente comme ceci. Franchement, très joli calendrier. Hop, je vais vous l'ouvrir pour que vous voyez à l'intérieur. Par contre, il n'est pas évident à montrer. Hein. Voilà. Comme ceci. Par contre, je vais pas vous montrer le derrière parce que de leur côté, parce que il y a tous les produits. D'un côté c'est bien, de l'autre c'est bof quoi, hein, parce que pour un cadeau, la personne sait déjà tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc bon. Alors je vais essayer de trouver une façon de le mettre parce que je pourrais pas le lever à chaque fois. J'ai rien pour poser le calendrier. Donc je vais faire au mieux et on va découvrir ensemble tout de suite. Alors je vais essayer de le mettre comme ça, je l'ai mis sur le rebord de la chaise. Je ne suis pas sûre que ça va tenir mais on va essayer.
Alors, on va commencer avec la numéro 1. Voilà, c'est ça le côté pas pratique. Alors, gérer que c'est soit un rouge à lèvres, soit un mascara. Je sais pas. Pas facile, hein. C'est un baume à lèvres, c'est sympa ça. En plus, j'en ai besoin parce que là j'ai mis un petit gloss pour hydrater, donc c'est plutôt sympa. Il n'y a rien écrit dessus. Ah, voilà, le Glow Paradise 353 de Mulberry Esthétique Sheer. Donc c'est plutôt pas mal la teinte. Ouais, c'est plutôt pas mal. Alors, il y a écrit quelque chose, je vais le lire. Donc, baume à lèvres teinté Glow Paradise. C'est ça, un baume à lèvres. 353 Mulberry Esthétique. Ce rouge à lèvres au fini brillant a tout pour vous plaire. La brillance d'un gloss, le confort d'un baume à lèvres et l'intensité colorielle d'un rouge à lèvres. Donc on va avoir tout ça. On va voir. Donc je vais le mettre comme ça parce que c'est plus pratique pour moi. Donc la case numéro 2, elle est de l'autre côté. Alors le mien, je l'ai reçu un peu calmé au niveau d'ici, hein. Donc après, malheureusement, au niveau des colis qu'on les reçoit, ça, je vais essayer de le mettre derrière, parce que ça me gonfle. Donc le numéro 2. Ah, c'est un mascara. Alors comme je vous ai dit, je sais à peu près ce qu'il y a dans le calendrier de l'Avent. Parce qu'en fait, moi je suis comme ça. Comment vous dire? En fait, j'aime pas acheter un truc qui ne me plaît pas forcément. Donc je préfère acheter le calendrier qui me convient, qui me plaît, que acheter un autre calendrier soit moins cher, soit plus cher, peu importe. Qui la moitié du calendrier, ben, soit je le donne, soit je le jette. Enfin, jeter non quand même pas, mais voilà. Donc on a un mascara au numéro 2. C'est vraiment pas évident. Hein. C'est le Volume Million de Cils. Voilà, en noir. Voilà. Je ne vais pas les ouvrir parce que j'ai pas mal de mascara déjà ouvert. Donc, mascara Million de Cils, baume noir. Sublimez votre regard en étoffant vos cils. Un par un pour un volume intense. Un regard redéfini et des cils extra noirs. On verra ça. Puis après, le numéro 3. Alors je vais le replier sur lui-même parce que c'est vraiment compliqué. Hein. Donc le numéro 3, il est ici. Alors je dis, je suis trop nulle pour les devinettes. Je ne sais pas du tout. Oh, la case elle est grosse quand même. Oh, ça je l'avais dit d'ailleurs. D'ailleurs, il s'en vient. Attends, j'essaye d'être délicate. Hein. Alors, c'est le Midnight Serum. C'est sympa ça. Et comme vous avez vu, c'est que des full size. Hein. Donc, c'est un sérum. Celui-ci. Franchement, c'est trop bien. C'est trop, trop bien. Sérum Age Perfect. Renaissance cellulaire Midnight Serum. Enrichi en complexe antioxydant protecteur. Préparez votre peau pour la période des fêtes avec ce sérum au complexe antioxydant protecteur. Inspiré par la science des cellules mères, il permet chaque nuit une haute génération de la peau pour un teint éclatant et une peau visiblement plus jeune. Alors, prenez soin de votre peau. Donc, ça, honnêtement, 20 ans, 25 ans, vous pouvez aussi. Hein, c'est toujours mieux de prendre soin de sa peau, même si vous n'avez pas encore les petites ridules, tout ça. C'est toujours mieux.
mais il a un côté antioxydant, donc c'est plutôt pas mal. J'aime beaucoup. Un côté antioxydant protecteur. J'aime plutôt pas mal. Après, on va ouvrir la case numéro 4. Ici. Je devine plus, hein. Moi, je suis très nulle, hein. J'aime beaucoup les surprises. Donc, on va ouvrir. Un eyeliner infaillible. 24 heures mat liquid liner. Et la teinte, c'est 04 émeraude. Donc, eyeliner Deep In 04 émeraude. Apportez une touche de couleur à vos yeux avec cet eyeliner longue tenue. Tracez un trait en ras de cils du coin interne au milieu de l'œil, puis étirez le trait vers le coin externe de l'œil. C'est une couleur qui est assez sympa. Ça change du noir, du. C'est un vert canard, je dirais. Ouais. Un vert canard. Ça change. C'est plutôt pas mal. Ça change du noir qu'on a l'habitude de retrouver. Et ça aussi, c'est un format à vente. Hein. Franchement, je dis oui. Je suis en train de défoncer le calendrier. J'ai une belle voix. Je sais. La case numéro 5, elle est où cette case? 5, elle est là. Elle est devant. Je me viens, j'ai pas reçu non plus en étant. Oh! Oui, il y a des choses que j'ai oubliées. La poudre, celle-ci. La Infaillible Setting Loose Powder. La Translucine Loose Setting Powder Smooth et Matifiante. Il y a 6 grammes dedans. C'est celle-ci. Poudre libre, fixante, infaillible, transparent, teinte universelle. Cette poudre ultra fine fixe le maquillage et matifie la peau sans la sécher pour un résultat infaillible. Toute la soirée. Franchement, c'est. En plus, c'est bien parce que c'est universel, donc ça ira à pas mal de carnations. Franchement, c'est bien. C'est vraiment bien. C'est bien. La numéro 6, elle est là. Un échantillon. Donc, c'est quoi? Donc, c'est le sérum, le masque sérum yeux rafraîchissant, hydrate et réduit les cernes. Alors, c'est un masque comme ceci. En plus, c'est la même gamme que l'échantillon que j'ai pris. Voilà, que j'ai choisi. Donc, c'est hyper bien de tester un petit peu leurs soins parce que. Je ne connais absolument pas leurs soins de chez L'Oréal. Je connais juste le sérum aux 6 huiles de L'Oréal, quoi, le sérum. Ben, à voir cet échantillon-là. Ça, c'est pas mal pour découvrir. Je suis vraiment en train de le détruire, le truc. Hein. Alors, masque, tissu sérum, yeux Revitalift, filler. Enrichi en acide hyaluronique. Pas mal. Idéal pour la période des fêtes, ce masque tissu anti-âge pour les yeux enrichi en acide hyaluronique et en caféine hydrate intensément et réénergise la peau. Oui, moi, la lecture. Ben non, franchement, pas mal. Pas mal. C'est bien de trouver un peu de soin aussi. Hein. Je dis oui, non, je dis oui. On en est où? Je ne sais plus. La 7. Elle est où la 7? Elle est là. De l'autre côté. Franchement, c'est dommage parce que c'est pas un calendrier de l'Avent réutilisable. J'aurais voulu. Parce que franchement, il est beau, quoi. Là, je suis en train de le défoncer. Le défoncer. Bon, vous allez me dire, c'est plus intéressant les produits, mais
j'aurais voulu peut-être le garder, quoi. En plus, il est vraiment défoncé, quoi. Je l'ai reçu défoncé. Le livreur, il a pas fait attention. En même temps, les livreurs, ils sont foutants. Complet. Donc, le numéro 7, il est derrière. Enfin, sur le côté. C'est dur à le chercher. Hein. Donc celui-là, c'est Plume et 7. Brown Arches. Ah, ça, c'est bien. C'est un mascara pour les sourcils en teinte transparente. Pour que ça aille à tout le monde. Et ça, c'est bien pour fixer les sourcils. C'est pas mal. Alors, mascara sourcils. Plume et 7. Transparent. Teinte universelle. Déposez la texture transparente de ce mascara sourcil par plusieurs touches sur vos sourcils. Résultat, vos sourcils sont fournis et fortifiés. C'est bien. C'est bien parce qu'on retrouve pas mal de choses. La poudre, le baume, liner, le mascara, le sérum. Et c'est pas fini parce qu'on a la case 7. Maintenant, on va chercher la 8. Après ça, on voit plusieurs cadeaux. Ça me plaît trop. Le numéro 8, il est de ce côté. Je suis brusque, hein. Faut voir que je me languissais de l'ouvrir. Hein. C'est quoi ça? Ah, c'est un crayon à lèvres. Donc, ça veut dire qu'on va avoir un rouge à lèvres. 297 Red Passion. C'est pas mal. On va avoir peut-être un rouge à lèvres de la même teinte. Crayon contour de lèvres color riche. 297 Red Passion. Un crayon contour des lèvres au rouge sublime et à la texture crémeuse et légère. Qui redessine le contour de vos lèvres pour une définition parfaite. C'est bien ces petits mots qu'ils mettent pour le calendrier de l'avant. C'est bien, super. Alors, le numéro 9, peut-être il est de ce côté. Il est là. Ah, une ombre à paupières. Ça, c'est bien. Ah, voilà, donc noir. C'est bien parce que ça ira à un grand nombre de personnes. Le noir, on en a toujours besoin pour faire soit un ras de cils, soit... smoky eye, soit un thread liner, enfin voilà, un noir, ça sert toujours. C'est la couleur 16, détermination. Donc, je vous livre le petit résumé. Ombre à paupières, couleur queen, 16, détermination. La texture crémeuse de ce fard s'applique facilement aux doigts ou au pinceau. Craquez pour cette couleur qui intensifiera votre regard lors des fêtes. On va être canon pendant les fêtes, nous. Hein? La numéro 10, ben, elle est en bas. C'est pas évident de vous montrer. Faudrait que je mette un truc là pour vous présenter les choses. Un rouge à lèvres. Couleur riche 236 organza. La teinte, c'est celle-ci. C'est vraiment des formes à vente, quoi. Jusqu'à présent, on a eu que ça en échantillon. C'est plutôt pas mal. Rouge à lèvres color riche satin 236 organza. La texture voluptueuse de ce rouge à lèvres gorge vos lèvres d'hydratation et les préserve du dessèchement, idéal pour des lèvres éclatantes toute la soirée. On en était à 10, maintenant on va chercher la 11. Voilà, elle est ici. Mais voilà, ça fait partie aussi des produits que j'ai complètement oublié. En un mois, oui, j'ai oublié, mais c'est vrai, chaque fois que je passais devant, j'avais envie de l'ouvrir, mais je vous ai attendu. Mais j'ai pas attendu décembre. Bon, c'est pas grave. Alors, mascara wear volume noir.
Offrir a aussi un effet méga volume, léger comme l'air, pour un méga impact. Celui-là, j'ai beaucoup aimé alors. Voilà. La 12. Ça y est, j'en suis à la moitié. Ici. C'est un liner encore. Alors, celle-ci, elle est plutôt bleue. Donc, la couleur comparée à celle-là. Elle est plutôt bleu marine et celle-ci elle est plutôt vert canard. Voilà. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Eyeliner Deep In, donc c'est la même gamme. 02 bleu. Faites ressortir vos yeux avec cet eyeliner bleu longue tenue, waterproof et sans transfert pour un regard intense et festif. Mais franchement, c'est plutôt pas mal. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Maintenant, on va passer à la 13, qui est ici. Encore un fard à paupières. Ah, celle-ci, je dirais, elle est plutôt marron. Avec des reflets un peu rosés. Celle-ci. Ombre à paupières Color Queen 26 Stunner. Appliquez ce fard irisé au creux de la paupière pour un regard agrandi et lumineux. J'aime bien celui-là. Alors, je vous fais pas de swatch parce que j'aimerais bien faire un total look, un full face total de chez L'Oréal parce que. En fait, j'ai vraiment pas beaucoup de produits de leur marque. Donc c'est vrai, j'aimerais avoir mon propre avis pour voir si voilà, il manquera plus qu'à acheter deux, trois petites choses pour faire la vidéo. Et puis après, on fera ça ensemble. On découvrira. Alors, la 14. Elle est hop, de ce côté-là. Un blush. Le blush. C'est le 145 bois de rose. Mais ça pourra convenir à pas mal de carnations. À voir. Alors, blush accord parfait 145 bois de rose. Appliquez ce blush au doigt ou au pinceau sur vos pommettes de l'intérieur vers l'extérieur du visage. Dites bonjour à une peau nue parfaite. On verra si ma peau sera parfaite. La 15. Oh, ça c'est une couleur. Pas évident. J'ai l'impression que c'est un rouge à lèvres. C'est un liquide mat. J'aime bien cette teinte. Ça fait un genre de bois de rose. Ouais, c'est pas mal. Alors ouais, c'est une encre à lèvres. Donc, encre à lèvres mat rouge signature. 105 eye roll. D'accord. L'encre à lèvres idéale pour sublimer votre maquillage lors des fêtes. Vos lèvres restent matifiées et intensément colorées toute la soirée. J'aime beaucoup la couleur, moi. Ça, c'est vraiment mes couleurs à moi. J'adore ça. Et là, jusqu'à présent, franchement, je suis à la case 15. C'est vraiment sans faute, hein, pour le moment. Non, vraiment. 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 La 16, elle est ici. Ah, c'est le Paradise, le mascara Lash Paradise. Ça, c'est bien ça. Ah non, c'est pas le mascara, c'est le primer. Mascara primer. Ça, c'est bien. Base de soin de mascara. Blanc teinte universelle. Ça, c'est aussi bien. À utiliser avant l'application de votre mascara Paradise. Pour booster le résultat et fortifier les cils. Franchement, c'est une bonne idée, ça. 17.
il est ici, devant. Ah, je me régale, hein. Pourquoi j'arrive pas à l'ouvrir? Donc ça c'est un masque anti-âge revolumisant, repulpe et lisse instantanément, hydratation continue 24 heures. Bon, c'est pas mal, honnêtement. En plus j'aime bien ce genre de masque en tissu. Franchement c'est bien, c'est bien. Alors masque tissu sérum repulpant revalat. Je parle une autre langue là. Masque tissu sérum repulpant revitalift. Filler, enrichi en acide hyaluronique. Ce masque tissu anti-âge ultra fin est infusé avec de l'acide hyaluronique concentré pour repulper et lisser instantanément, parfait en base de teint. Ben, on va essayer tout ça. On va essayer, vu que je suis à la trentaine, hein, anti-âge. En fait, j'ai 31. Enfin, voilà, 18 qui est ici. C'est pas très pratique, hein, leur ouverture. J'aurais préféré des boîtes. Ah, un petit rosé. Un rose poudré en fard à paupières. Oh, franchement, c'est joli. Hein. Il est irisé, j'ai l'impression. Alors, ombre à paupières Color Queen 32 Commander. Vous pouvez jouer avec cette teinte foncée en appliquant vers le coin externe de l'œil, puis en estampant avec un pinceau sur la paupière mobile, puis un magnifique smoky eye. Franchement, il est joli. Il est sympathique. 19, on arrive à la fin. Il est ici, le 19. C'est quoi ça? Perfect Slim. C'est un crayon, je crois. Ah, c'est un eyeliner au waterproof. Qui se présente comme ceci. Eyeliner Perfect Slim 03 Brown. Ah, je croyais que c'était noir. En fait, si tu lis pas ce qu'il y a sur l'étiquette, Florian. Ouais. Avec un eyeliner haute précision, souligner votre regard à la perfection n'a jamais été aussi facile. Mais on va tester, hein. On va tester. Moi, je ne dis pas non. 20. Là. C'est un crayon à lèvres et je crois que c'est la teinte du, ah ben c'est ça, 236 Organza. Voilà, c'est le crayon à lèvres qu'elle a sorti avec ce rouge à lèvres là qu'on a eu Organza. Qu'est-ce qu'ils disent? Crayon contour des lèvres color riche 236 Organza. Ça c'est bien ça, ça veut dire avec le rouge on va avoir un petit rouge à lèvres rouge. Crayon contour des lèvres color riche 236 Organza. À vous de choisir. Appliquez-le en contour de lèvres pour une bouche parfaitement définie. Ouais. Avant le rouge à lèvres ou sur l'ensemble des lèvres pour un effet bouche mordue. Ça, c'est sympa. Moi, j'aime bien le faire de temps en temps. On en est où? 21. J'ai pas envie que ça s'arrête. 21, il est ici. Ben, c'est un crayon gel automatique eyeliner. Ah, c'est un crayon rétractable en noir. Noir intense. Crayon mine rétractable grip liner 01 noir intense. Ça, c'est bien.
C'est bien, c'est pas mal. Et en plus, vous avez un embout mousse pour effet, pour faire un effet fumé. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Le crayon aligner mine rétractable waterproof permet une application ultra facile. Son embout mousse permet d'estomper le trait pour créer vos plus beaux looks sur mesure. C'est bien ça. Après, je suis plus team marron, donc je suis très contente d'avoir eu aussi celui-ci en marron. Le liner marron, parce que voilà. Après, le noir, c'est vrai que c'est un intemporel pour tout le monde. 22, elle est ici. Alors, c'est un sérum hydrat texturisant. Repulpe et donne du mouvement, 10 fois plus d'hydratation sans alourdir, sans rinçage, cheveux déshydratés et fatigués. Ça, c'est bien. Surtout que moi, je suis méchée. Mais de toute façon, tout le monde a besoin d'hydratation au niveau des cheveux. C'est bien. En plus, un format vente. Ça, c'est. Ils se foutent pas de nous, hein, L'Oréal. C'est la première fois que je commande sur ces sites. J'en étais plutôt contente. Sérum hydrat texturisant Elseve Hyaluron Repulp. Pour cheveux déshydratés. Offrez un vrai coup de boost à votre chevelure grâce à ce sérum pour cheveux déshydratés. Grâce à son complexe actif hyaluronique, il repulpe et donne du mouvement à la chevelure. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. La 23, l'avant-dernière. Un rouge à lèvres, est-ce que ce serait le rouge? Oui! Colorish 377 Perfect Red. Celui-ci. Ça c'est bien. J'adore le rouge. Rouge à lèvres Colorish Satin 377 Perfect Red. La couleur rouge intense et la texture voluptueuse. Hydratante, ce rouge à lèvres vous offre un look de fête ultra confort. La dernière. Vous voulez pas que je vous mette mon mail et vous m'offrez des calendriers de l'avant? La 24, la dernière. La dernière. Je ne veux pas que ça s'appelle. J'ai des. J'ai encore défoncé en. Ah, c'est bien ça. Le mascara Lash Paradise en Intense Black. C'est bien ça. En plus, vous savez quoi? J'ai acheté il n'y a pas longtemps. Alors, je ne sais plus où il est. Je ne sais plus où je l'ai mis. Je ne sais pas pourquoi. J'ai acheté le Lash Paradise en noir simple, quoi. Voilà. Et là, c'est le Intense. Je suis contente. Donc le mascara Lash Paradise Noir Intense. Votre mascara Paradise dans une formule adaptée aux yeux sensibles enverra vos cils tout droit au paradis. Et ben voilà, ben. On a fini. J'ai fini. Mais franchement, on va faire le point. Alors, on va faire le point maintenant. Je suis très contente de ce calendrier. Franchement, j'ai vu pas mal de revues sur les calendriers de l'Avent de beauté 2022, donc de cette année. C'est le seul que je trouve, selon moi, le plus intéressant. Vous avez du soin. Je vais vous montrer le soin. Vous avez ça, ça, ça. Et le baume à lèvres. Donc, vous avez. On va mettre le mascara aussi, mais bon, le mascara. On va le mettre dans le soin. On va avoir la base à paupières, Lash Paradise. On va avoir le masque en tissu, plus le masque pour les yeux. Puis, on va avoir le sérum, qui est comme ceci. Puis, on va avoir le baume à lèvres. Pour 5 produits de soins, c'est intéressant. C'est bien. 2 échantillons.
Donc, ce n'est pas des petits goodies de... Voilà. C'est intéressant, quoi, pour prendre soin de sa peau. Voilà. Donc, il y en a deux. Ça, c'est bien. Après, pour les cheveux, on a un produit. Voilà, déshydraté. C'est toujours bien d'en avoir un. C'est un format vente également. Je trouve ça intéressant, quoi. Donc, 10 fois plus d'hydratation. Donc, c'est bien. Parce que tout le monde a besoin de prendre soin de sa peau, de ses cheveux, enfin, tout ça quoi. Après, on va avoir trois ombres à paupières, donc qu'on peut faire un look avec. Voilà. Une noire, une qui tire dans le marron rosé et une qui est rosée. Donc c'est plutôt sympa, parce qu'en plus ils ont choisi des couleurs passe-partout. Donc, qui peut convenir à tout le monde. Voilà. Donc, ça, c'est bien. On a trois fards à paupières. On va avoir trois eyeliners. Voilà. C'est plutôt bien. Vous avez un bleu canard, et vous avez un marron. Donc, de quoi faire aussi un petit look assez sympa. On va avoir le crayon rétractable en noir, donc un indispensable dans le maquillage. Voilà, le noir, c'est le noir. Puis après, pour les lèvres, on va avoir un rouge à lèvres rouge avec son crayon. Donc ça, c'est très bien. Après, on va avoir le rouge à lèvres qui est un peu plus nude, rosé, le organza, celui-ci. Avec son crayon à lèvres également. C'est bien. Puis après, on va avoir un rouge à lèvres mat, liquide mat, en rose, bois de rose. Ouais, je dirais bois de rose, moi. Bois de rose. Voilà, franchement, ça va pratiquement à beaucoup de monde, ce genre de couleur. Donc, je dis oui. On va avoir aussi un mascara transparent pour fortifier et fournir les sourcils. Donc ça, c'est bien aussi pour aussi les fixer. C'est plutôt pas mal. On va avoir trois mascaras. Ouais, trois. Trois mascaras. Donc le noir intense Lash Paradise, que tout le monde connaît, je suppose, le Lash Paradise noir basique. Donc là, c'est le noir intense. Ça, c'est bien aussi. On a le volume million de cils. Ça aussi, c'est bien. Et on va avoir celui-ci. Le Wear Volume Mega Mascara. Ça, c'est bien. Donc, oui, je dis oui, je dis oui. Puis, après, pour finir, pour le teint, on va avoir deux produits. On va avoir le blush Bois de Rose. Franchement, qui peut aller aussi à pas mal de carnations. Donc, oui. En plus, c'est les teintes que j'aime bien. Donc, ouais. Et après, on va avoir la poudre libre universelle. Donc, soit vous l'utilisez sur la zone T, soit le dessous d'œil. Enfin, c'est à vous de voir, matifiante. Je suis triste parce que j'ai fini. Qu'est-ce que j'en pense? Honnêtement, j'aime pratiquement. Enfin, j'aime. Enfin, j'aurais un truc à redire, juste un petit chouïa, même s'il me convient à 100%, c'est que je trouve il y a beaucoup de mascara. Enfin, il y en a trois, vous avez mis. Un mascara, un autre mascara et un mascara plus une base. Enfin, ça fait quatre produits pour les cils. À la rigueur, ça, je l'aurais gardé, la base. Celui-là aussi, je l'aurais gardé. Mais au pire, là, j'aurais mis, enfin, je sais pas, moi, un autre fard à paupières, par exemple. Parce qu'on n'a pas de beige mat pour estomper et pour aussi le dessous du sourcil, pour éclaircir le dessous du sourcil. Voilà, et au pire, oui, pourquoi pas garder celui-là, mais ouais, ça fait beaucoup de mascara, mais c'est pas grave, on le prend positif, on dit on n'en a jamais assez, quoi. Pourquoi pas? Enfin, voilà, en tout cas, je vous ai tout montré. Je suis très contente. Oui, je me languissais de l'ouvrir. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Et puis voilà. Il est au prix de 89,99 €. Donc moins 5 € c'est toujours ça à prendre.
Après, je vais quand même regarder s'il n'y a pas un autre code promo, soit un petit peu moins cher. Mais honnêtement, je trouve que c'était le meilleur rapport qualité-prix. Parce que oui, certes, il y a par exemple Make Up Révolution. Il est à 53 euros ou je sais plus. Ben, je l'ai regardé. Ben, c'est la même chose que l'année dernière. Non, je ne veux pas avoir la même chose que l'année dernière. Et j'ai pas envie de payer pas cher pour avoir que des goodies ou que des choses qui me plaisent pas. Enfin, à la rigueur que là, tout me plaît. Et en plus, je connais pas spécialement la marque L'Oréal à part pour les cheveux. Donc, oui, là au moins j'ai de quoi tester. Je peux voir si ça me donne envie encore d'acheter des choses, des produits de chez eux. Enfin, voilà. Et pareil, les autres enseignes, NYX, il y a quoi? Yannick, Mac, tout ça. Enfin, Mac, il est hors de prix, quoi. Enfin, j'ai pas envie de mettre un calendrier Babant de 100 euros, quoi. Non, 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 j'ai pas envie. Enfin, donc voilà. Enfin, foncez. Allez sur le site. Il est sur Amazon aussi, je l'ai vu. Et puis après, je vous mettrai les liens en barre d'infos. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut pour m'encourager. Pour continuer à me suivre, n'hésite pas à t'abonner également et à activer la cloche. Et sur ce, ben, je vous fais des gros bisous à vous tous.